Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. La dernière fois, on avait parlé de positionnement et de recherche de boulot via votre CV et via plein d'autres trucs. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien d'embauche. Allez, c'est parti. Votre CV est prêt, vous êtes allé sur les sites spécialisés d'annonces, vous avez fait marcher votre réseau, et maintenant, il va falloir passer à la deuxième phase de votre plan, c'est-à-dire l'entretien d'embauche. Alors, la première chose, il y a beaucoup d'entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées par votre profil. Ça peut demander beaucoup de temps d'aller physiquement, aussi bien en transport que le temps des différents entretiens. Ça peut demander beaucoup de temps d'aller voir tout le monde. Et tout le monde ne correspond pas vraiment à vos critères, ou vous ne correspondez pas vraiment aux critères des entreprises qui potentiellement peuvent vous embaucher. Donc la première chose, mon premier conseil, c'est commencer par un petit entretien téléphonique. Pas obligé d'être très très long, ça peut durer juste 10-15 minutes. Vous présentez, la boîte se présente, vous expliquez qu'est-ce que vous recherchez, l'entreprise explique éventuellement le poste qu'il y a pour voir, et vous voyez si c'est utile d'aller vers la deuxième phase, qui est la phase de la rencontre physique. Maintenant que vous avez vu que, a priori, aussi bien les demandes de l'employeur que vos demandes à vous semblent correspondre, il va falloir aller se rencontrer et commencer à discuter. Et là, il y a un peu deux écoles. Il y a la première école qui dit essayez de vous présenter sous votre meilleur jour, donc allez-y, en costard-cravate, brossez-vous les cheveux ou la barbe, si vous avez plus de cheveux comme moi. Faites en sorte de faire une très bonne première impression. Je pense que pour certains boulots, ça peut être indiqué. C'est-à-dire, si vous allez dans une grosse boîte, si votre but c'est d'aller dans une banque, pas de problème. Moi, ma niche est un tout petit peu plus bizarroïde. Et j'ai besoin, moi, de m'assurer que l'entreprise avec laquelle je vais travailler, et les gens avec qui je vais travailler, comprennent qui je suis, et que justement ce genre d'éléments de présentation ne pose pas un problème. Donc, en fait, je fais complètement le contraire. C'est-à-dire, alors, j'y vais pas, bien sûr, en treillis, camouflage, sous ce genre de choses, mais j'y vais en jean et en t-shirt. Complètement classique. Et si jamais, justement, l'aspect vestimentaire ne va pas et pose un problème, eh ben, ce sera un des éléments qui fera en sorte que l'entretien se passera potentiellement pas bien. Justement, puisqu'on aborde le thème des fringues, c'est super important. Pour votre entretien, il faut que vous soyez à l'aise. Et je vais vous prendre mon exemple. Je me suis acheté un jean tout neuf pour aller faire mes entretiens. Et j'ai passé plusieurs jours à casser mon jean, entre guillemets. C'est-à-dire faire en sorte que je me sente vraiment bien dedans. Donc pendant à peu près une semaine, j'ai mis mon jean avant d'aller passer des entretiens. Ce qui fait que je vais passer des entretiens, je suis super à l'aise dans un pantalon que je connais, que mes fesses connaissent, et qui fait en sorte que je vais pas me dandiner sur mon siège pendant tout mon entretien parce que je me sens pas bien. Et c'est super important. Et c'est un autre conseil que j'ai un peu à donner, c'est soyez vous-même. Vous pouvez très bien faire en sorte d'apparaître comme étant quelqu'un d'autre. Par expérience, ça marche pas vraiment, et au final, soit l'entreprise a une personne qui lui correspond pas, soit vous avez une entreprise qui vous correspond pas. Mon conseil, soyez vous-même. Mon autre conseil, bien sûr, comme tout, comme le CV, comme toutes les autres choses, un entretien, ça se prépare. C'est-à-dire, faut aller rechercher quelle est l'entreprise, quel est son but, qu'est-ce qui fait aller fureter sur le site web. Bien sûr, aller googler les différentes personnes, si vous connaissez leur nom, qui vont vous recevoir. Alors, c'est pas vraiment pour jouer au détective, c'est plus pour... Eux ont énormément d'informations sur vous, via votre CV, via les recherches qu'ils ont pu faire. Le but est vraiment de contrebalancer, entre guillemets, le pouvoir et de vous mettre dans une espèce de... psychologiquement dans un meilleur... Et de vous mettre psychologiquement dans une situation où vous n'êtes pas complètement à votre désavantage. Alors évidemment, il y a autant de types d'entretiens qu'il y a de types d'entreprise ou de job. Il y a énormément de conseils à donner. Mais moi, les conseils de base, c'est vraiment faites un entretien téléphonique pour vous assurer que vous ne perdez pas votre temps. Personnellement, je pense qu'il faut que je m'habille comme je m'habille tous les jours, propre mais correct. Soyez bien dans vos fringues, faites des recherches. Et puis, un entretien, c'est une discussion. Alors, il y a des questions
pseudo-pièges, qui sont pas vraiment des questions pourries, mais qui sont des questions que vous pouvez préparer. Par exemple, je vais vous donner un classique. Quel est votre principal défaut ? Pour cette question-là, évidemment, j'ai une réponse qui est déjà presque toute faite. C'est un discours que j'ai développé au fur et à mesure, et qui est simple. La réponse, c'est « je suis super bordélique ». Je le sais, ça fait presque 40 ans que je suis comme ça. Donc bien sûr, ils sont « ouh là là, il est bordélique ». Je suis bordélique, mais vu que je le sais, j'ai mis en place un système. J'ai mes to-do list, etc., etc. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, oui, je suis bordélique, mais donc, je suis super organisé. Ce qui me permet d'avoir un boulot à temps plein, d'élever ma fille, d'être prof dans une école, et en même temps, d'avoir un podcast où je balance au moins une vidéo par semaine. Si j'étais si bordélique que ça, et pas bien organisé, j'arriverais pas à le faire. Voilà. Donc le but, c'est bien sûr, une question un peu chiante sur un de vos défauts, vous le transformer en quelque chose qui va vous mettre à votre avantage. Alors évidemment, sur les entretiens, il y a énormément de choses à lire. Il y a littéralement des bouquins entiers qui en parlent, il y a littéralement des sites entiers qui en parlent aussi. Le but ici n'est pas vraiment d'être exhaustif, mais de mettre en avant un petit peu les éléments qui, pour moi, sont importants quand vous allez à un entretien. Alors, un dernier élément, et ça plaira pas à certains, peut-être, mais un entretien... C'est un peu comme un date, c'est-à-dire c'est un peu comme un rendez-vous avec une meuf ou un mec. Les premiers, vous êtes nerveux, vous êtes pourri. Donc, quand je le sais et quand je sais que je vais dans une période où je vais avoir des entretiens, je prends volontairement deux ou trois entretiens où je sais que j'ai pas vraiment envie d'aller travailler dans cette boîte-là pour me mettre en route. Une espèce de mise en jambe. Je le fais pas quand je prends des rendez-vous avec des meufs, hein. Encore que, il faudrait peut-être. Ça me permet justement d'être à l'aise, de roder mon discours. Et d'être beaucoup plus à l'aise, en général. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les entretiens. Vous avez des histoires rigolotes, ou des anecdotes, ou même des conseils à donner à toute la communauté des gentils barbus, n'hésitez pas à balancer les commentaires, ou à m'insulter en disant que je suis une merde, et que de toute façon, je sais pas du tout ce que je fais. Ce qui est plus que probable. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'il vous aidera d'une certaine façon, peut-être à préparer votre futur entretien. Que la barbitude soit avec vous. Inspirez-vous, faites des trucs, et à bientôt.